Est-ce que tu m'entends? Il me parle? C'est pour TF. Ils vont me prendre en divergé? D'accord. Il faut qu'ils me disent. Vite, parce qu'en plus, il y a des gens qui arrivent. Bonjour. Allô, on enregistre? D'accord, donc c'est bon, Étienne. Tu me dis? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu le sens de votre présence ici ce matin? Bah, écoutez, c'est par amitié que je suis là. Je suis très ému. C'est une grande journée. Grande journée pour le président, bien sûr, mais grande journée pour moi. Et puis, je crois que c'est très bien pour la France. C'est une nouvelle époque. Le pays attend beaucoup et nous sommes tous derrière lui. On peut dire aussi que Nicolas Sarkozy vous a fait une sacrée pub en venant en Phuket le soir de l'élection. Je ne peux pas dire le contraire, mais je crois qu'il faut maintenant se projeter vers le futur et vers les réformes qui sont indispensables pour notre pays. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Voilà, il y a l'antenne. Monsieur Marc, en tout cas, cela confirme que les syndicats ont été invités hier. Étienne, il y a la maman Nicolas Sarkozy qui arrive. Voilà, c'est super. Comment on va faire pour la... On laisse l'image, on est sur elle, on est sur elle. Tu veux dire un mot, s'il vous plaît? Un petit mot pour France 2. Oui, non, mais j'ai bien compris, mais je n'entends rien, donc il faut bien des fois qu'on revienne, quoi. C'est pas le problème. Madame, s'il vous plaît, madame. Ah, c'est une catastrophe. Maman, oui. Mal, s'il vous plaît. Voilà, c'est une catastrophe, quoi. Madame Hidalgo. D'accord. Non, mais j'ai bien compris. Il y a des moments, oui. Tu vois, j'ai des photographes, ils ont obligé de m'arrêter, quoi. Madame Hidalgo, vous voulez un petit mot, s'il vous plaît. Il faut y aller, hein. Monsieur Bouygues, pour TF1, moi j'ose pas. C'est pas mon enfant. Monsieur Bouygues, s'il vous plaît. Monsieur Bouygues. On a attendu longtemps dans les secondes du parc avant de se... Monsieur Seguin pour TF1, je veux dire un petit mot. Monsieur Seguin. Monsieur Seguin, s'il vous plaît. Monsieur Seguin. Monsieur Seguin, vous pouvez me dire un petit mot. Monsieur Godin, Monsieur Godin pour TF1, pour TF1 s'il vous plaît, pour TF1. Non. Monsieur Godin. Noé me va mieux. Évidemment. Vous allez faire tout. Oh non, je ne peux pas. Restez là, restez là. Venez à la régie. Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît, un petit mot. Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît. Oh.
Je sais pas. Nous sommes là. Tu démontes ta ville. Ouais. Excuse-moi, il y a un marteau ou pas? Tu peux sortir là. Il y a un problème de diaph aussi. Ok. Ça démonte. Ok, parce que c'est un peu compliqué. Hein. Ouais. Elle est où la bague? C'est plus le patron de Renault. Il y a la CD. Ça va continuer ici à l'Elysée, qui va rester le Nicolas Sarkozy très communicant qu'on a connu. Indubitablement, moi je le connais bien. Je le ferme. Monsieur. C'est quelqu'un d'abord qui se met pour une première en scène. Vous connaissez bien Sarkozy. Quel rôle va-t-elle jouer? Quelle place va-t-elle prendre ici à l'Élysée? Je suis sûr qu'elle va avoir un rôle. J'entends plus rien, plus de retour. Monseigneur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok. Tu vas voir souvent. Ouais. Mais il part ou pas? Tu vas le revoir souvent. Allô? Par ici, par ici. Un petit mot sur votre nomination à TF1, monsieur Soli. Des mots pour TF1. Non, pour TF1, s'il vous plaît, alors. Monsieur. Monsieur. Non, il y a Anita. Oui, sa mère est... D'abord, annoncez la pique. S'il vous plaît, monsieur. Non, annoncez la pique d'abord. Bonjour. Ouais, on va reprendre quelques instants. Oui. S'il vous plaît. Voilà, on va demander votre présence. Oui. Oui. On va voir. C'est bon? Non, non, là, il va faire une... Il va y avoir une interview, là. Ah, c'est bon. Vous pouvez juste vous rapprocher un tout petit peu, s'il vous plaît. On est... Vas-y, va l'entrée. C'est bon? Trop tard. C'est bon? Nicolas Sarkozy est en train de vous voler chez vos amis, monsieur Michon, non? Bernard Poucher et tout ça, vous en pensez quoi? Bah, j'en pense pas que du bien. Je pense que c'est dommage. Et peut-être ne l'a-t-on pas assez compris à une époque. Madame Parizeau, pour TF1, s'il vous plaît, un petit mot pour TF1, s'il vous plaît. TF1. Allez, un petit peu. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à appeler Philippe pour dire qu'on a un temps. Bonjour. Mais oui, bien sûr. Oh, bah. Non, attendez, monsieur. Non, attendez. Moi, je peux faire des bons temps. Le problème, c'est que j'ai... Non, mais je leur dis, on va le dire si on le fait en direct ou si on l'enregistre, en fait, on doit nous répondre dans quelques secondes. On est obligé d'appeler par portable. Ça marche pas très bien. Le système, là. Comment ça? Ça marche? J'appelle. Tu sais, j'appelle la régie, hein, mm-hmm. Parce qu'ils m'entendent pas. On a Anne Parizeau, si on peut prendre Anne-Sophie Lapix tout de suite. Laurence. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire pour notre pays. Je crois qu'il faut que chacun participe à une évolution absolument nécessaire, mais chacun dans son rôle, chacun dans le cadre de sa mission et de ses responsabilités. Le nouveau président de la République va avoir évidemment un rôle éminent, son gouvernement également, mais aussi les partenaires sociaux et je crois aussi, on peut le dire, l'ensemble de la population. Il s'agit vraiment pour notre pays de passer à autre chose. Alors justement, les partenaires sociaux au niveau de la... Est-ce qu'on prend la ligne Martineau? Oui, peut-être. C'est le porte-parole, un petit mot. Ouais, d'accord. Allô? Non. Écoute, pour le moment, tu as bougé. Alors moi, je... S'il vous plaît.
Où peut on en être? On peut crier, monsieur Debré. Monsieur Debré, un petit mot pour nous? Un petit mot, bonjour. Vous pouvez tenter. D'investiture de Dominique de Villepin, qui le fera certainement avec une émotion. Monsieur le Premier ministre, un petit mot, monsieur le Premier ministre, un petit mot, bonjour. Bon courage. À l'instant même, Cécilia Sarkozy, qui donc va être la première dame de France dans quelques instants, elle aussi, fait son entrée, là vous la voyez, vous la laissez arriver, on va peut-être tenter. Madame Sarkozy, un petit mot. Madame Sarkozy. Un petit mot pour nous. S'il vous plaît. Un petit mot pour TF1. Vous êtes ému, Madame Sarkozy. Que ressentez-vous, Madame Sarkozy? Oui, un petit mot. Oui, est-ce que vous êtes fière de votre père? Ah, ici, Madame Sarkozy. Thank you.
On a enlevé un petit bout du tapis rouge pour réduire justement le parcours qu'il aura effectué jusqu'à cette voiture. Et puis derrière moi, il y a aussi le personnel de l'Elysée. Tout le monde est armé d'appareils photo et attend avec impatience la sortie de Jacques Chirac. Il y a également Claude Chirac qui est à leur côté et qui attend que son père sorte une dernière fois de l'Elysée. Ça devrait arriver dans quelques minutes, puisque ça fait maintenant bientôt une demi-heure que Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac sont en entretien. Thank you.
en fait, ce sont même pas des vrais chevaux, ils n'ont pas peur du bruit. Ah oui. Clarepin 11, a bush kid walked down the street, the last block, someone was throwing eggs at him. Ils sont sortis des nouvelles d'ailleurs.